Dieu est notre héritage. Alléluia. Et Dieu est béni. Dieu il transforme les vies. Alléluia. Le donner fait partie de la loi de Dieu. Et Salomon connaissait ça. David faisait ça. Salomon aussi, son fils, faisait ça. Lorsqu'il allait donner à Dieu, la Bible déclare, dans la nuit, pendant qu'il dormait, Dieu s'est révélé à Salomon. Et Dieu a dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux et que je te le donne. Combien de fois aujourd'hui, combien de personnes que Dieu peut dire aujourd'hui, demande-moi ce que tu veux. Combien de personnes? Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu n'est pas le même? Dieu est capable. Il parle. Et il continue à parler. Il restaure. Et il continue à restaurer. Dieu rétablit la vie des gens. Les choses que Dieu nous donne, Dieu regarde le cœur de chacun avant de donner. Les choses que les gens reçoivent, Dieu regarde le cœur et Dieu donne. Il y a des choses que les gens cherchent et Dieu refuse de les donner. Il y a des choses que les gens demandent et Dieu refuse de les donner parce que Dieu connaît les cœurs. Si ton cœur est loin de Dieu, si ton cœur n'est pas un cœur de reconnaissant, ce sera difficile que Dieu te confie des choses. Si tu n'es pas un homme qui partage, ce sera difficile que Dieu te confie des choses. Lorsque Salomon est parti, Salomon n'est pas parti pour demander la richesse. Il allait pour demander la sagesse et l'intelligence pour diriger le peuple de Dieu. Mais c'est une demande qu'a pris à Dieu. Les gens demandent des choses et Dieu ne les donne pas. Pourquoi? Auprès de Dieu, il y a beaucoup d'héritages, il y a beaucoup de choses. La Bible dit, l'or et l'argent appartient à Dieu. Mais lorsque notre demande n'est pas dans l'intérêt de Dieu, c'est difficile à Dieu qui nous donne. Mais lorsque Dieu voit dans notre demande son intérêt, Dieu nous donne. Il y a des choses que Dieu nous donne pour sa gloire et ces choses sont consacrées à Dieu. Isaac était consacré à Dieu. Abraham savait. C'est pour cela, lorsque Dieu avait besoin d'Isaac, Abraham pouvait libérer Isaac. Parce que lorsqu'il regarde son corps, lorsqu'il regarde l'âge de Sarah, il sait que ce n'était pas possible. Que ce n'est pas miracle. Donc ce miracle appartient à Dieu. Donc notre Dieu, il est capable de nous confier des grandes choses. Il est capable de nous partager son héritage. Dieu est capable. Salomon, il aimait Dieu. Et Dieu savait que Salomon l'aimait. Combien de personnes qui aiment Dieu? Qui aiment Dieu? Combien de personnes? Lorsqu'on l'aime, on se donne à lui. Lorsqu'on aime, on se donne pour son œuvre. On fait des sacrifices pour son œuvre. Lorsqu'on aime, on célèbre pour son œuvre. On se bat pour son œuvre. Et Salomon aimait Dieu. Il aimait les intérêts de Dieu. Il aimait voir l'œuvre de Dieu avancer. Il aimait voir l'homme de Dieu grandir. Regarde, lorsque tout est centré sur ta personne,
rien ne va. Salomon, tout n'était pas centré sur sa personne. Il cherchait l'intérêt de Dieu. Il cherchait à ce que l'œuvre de Dieu avance. Et la Bible dit, Dieu a dit à Salomon, ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. Parce que pour que Dieu puisse nous confier des choses, c'est le cœur que Dieu regarde.